Nous sommes sur un des sites de la réserve naturelle géologique de Socats-la-Brède, qui s'appelle le Brousterod, sur la commune de la Brède. Ce site est dans le réseau Les Sentinelles du Climat, notamment pour les aspects de lande humide et de son papillon emblématique, le Fadet des Lèches. L'observateur s'imagine d'être dans une boîte virtuelle de 5 mètres sur 5 mètres de côté qui va avancer avec lui. Et lorsqu'il va y avoir un papillon qui va passer dans son champ d'observation, il va compter le nombre de papillons qu'il observe et va identifier les espèces. Donc c'est une longueur de 200 mètres, une durée de 10 minutes et on reproduit ça donc de 4 à 8 fois en fonction des sites au cours de l'année. Il n'y a pas que l'ours polaire qui est impacté par le changement climatique, mais toutes nos espèces du quotidien. Ce programme Sentinelle du climat devrait perdurer sur une édition 2.0 qui va maintenant permettre de dégager de nouvelles tendances et trouver peut-être des solutions ou des façons de sensibiliser, de faire évoluer nos mœurs, nos pratiques pour réduire les conséquences du changement climatique et aider à la préservation de notre biodiversité du quotidien.